накрасил, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цветов садов наших стаканов. Coucou tout le monde, c'est CocoLiner, back sur YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog parce qu'aujourd'hui on est le 31 octobre, donc c'est Halloween, et je voulais vous emmener dans ma soirée. Donc là j'ai un pote qui va arriver dans 2 minutes, je pense qu'on va se faire un petit make-up. Il y a moyen, je teste faire un petit truc. Déjà là je me suis fait des petits chignons, vous savez les petits trucs de post-bad là. Pff, je sais pas si ça me va très bien mais j'avais pas envie d'avoir les cheveux autour de moi, voilà. Donc c'est pas sûr qu'on se fasse un make-up de ouf parce qu'à la base c'est juste l'anniversaire d'une de mes meilleures potes. Mais c'est quand même mixé à une petite soirée Halloween donc... Je suis désolée, moi c'est mon délire de fêter Halloween, donc je pense que je vais faire un petit truc, laissez-moi kiffer. Et je vais vous emmener avec moi dans une petite soirée. Donc voilà, ça va pas être un vlog très long, mais juste histoire de vous montrer un peu ce que je vais faire le jour d'Halloween, voilà. Donc je sais qu'il y a pas tout le monde qui le fête, surtout en France, mais moi personnellement, je kiffe fêter ce genre de truc. Et comme ça, ça vous permettra aussi de voir un peu comment ça va se passer ma soirée. Franchement, j'aime bien cette coiffure en vrai. Je kiffe. Donc moi si je fais un make-up, je pense que je vais partir sur un truc très simple, genre un peu épouvantail, genre je vais me faire le nez noir et genre vous savez, je vais faire un peu des traits comme ça sur les lèvres, je vais faire une grande bouche, enfin genre un truc simple quoi, on va pas se casser la tête non plus. Le vrai make-up, vous l'avez, c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs parce qu'on a vraiment galéré avec ma pote mais c'était hyper drôle et surtout je vais bientôt me retrouver sur sa chaîne donc ça va être cool aussi. Franchement. Bonsoir tout le monde. On s'en est pas si mal sorti hein. Bon là j'essaie de faire des couleurs de sang, j'ai pas... voilà. Moi au final j'ai fait 2 traits avec du sang. Ça rigole par là-bas. Mais non. Franchement on sera les seuls sûrement. Donc franchement on a plus de flow. Non que tout franchement le monde. On a du flow. Tu vois. C'est pas ouf mais ça va. On fait trop méchant là. Ouais de ouf. On va se trembler comme ça, on va en soirée comme ça. Par contre ça commence à me gratter là hein. Ça commence à me gratter, j'espère que je vais pas faire une allergie au faux sang hein. Ça non, me gratte de ouf là. T'inquiète, t'inquiète. Bon du coup on va à la soirée. Ouais on y va là. Donc, sac voilà. Monoprix des familles. Ouais on ramène des trucs quand même. Donc on est dans la rue, j'espère qu'il y aura des gens un peu déguisés et tout, ça peut être marrant. Mais bon à Lyon ça se fait pas de ouf en vrai Halloween. Non à Lyon les gens sont pas. C'est pas ouf hein, les gens sont un peu relous. Actuellement dans le bus. Voilà avec sa tête, mais y a personne de maquillé. Ouais. C'est parti. T'as trop de flow comme ça. J'étais Alex. C'est parti. Là on est dans, vraiment dans la ruelle sombre, on est vraiment dans le thème Halloween là, tu trouves pas? Ouais par contre. Mon dieu mais c'est quoi cette ruelle? Tu vois les clowns ils peuvent pas nous attaquer parce qu'il y a un grand portail. Ah ouais j'avoue pas de clown tueur, ça c'est bien par contre. Mais c'est quoi? Ah mon dieu y'a des chiens et tout. Mais c'est quoi cette impasse de la mort? My god. Je vous propose un petit chablis. Ça c'est bien. Déjà là il y a le truc de la purge. Mais la purge là je comprends pas, les gens s'en foutent. Tu vois que là-bas il y a une grande porte et tout, on est protégé. Bah ouais. Parce qu'entre les clowns et la purge, merci. Ah non, bah, ouais. Putain comment on rentre. Comment on rentre les gars. Guess who's back. Je suis enfin arrivé. C'est quoi ça? Bon anniversaire Marina.